Salut à tous les amis, c'est Guitarist Rocker. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur une toute nouvelle découverte d'un jeu qui s'appelle Arena of Valor. Donc eh ben, on va découvrir ça ensemble, c'est parti. Et c'est parti. Donc en tout cas j'espère que vous allez kiffer. Normalement il doit y avoir un espèce de trailer au début normalement. Si vous voulez je peux vous laisser regarder le trailer, hein. Ça y a... Ah bah non c'est direct. Ok. Ouais, parce que c'est quand du coup quand j'avais fait une partie hors vidéo ou quoi, enfin hors caméra en tout cas, j'avais fait une petite partie pour histoire de tester. Alors évidemment Arena of Valor sur Nintendo Switch, je suis donc sur Nintendo Switch. Évidemment ce jeu est gratuit, c'est un free to play. Donc qu'est-ce que c'est qu'Arena of Valor? En gros, c'est un League of Legends like, ou si vous voulez plutôt un Diablo like aussi, hein, tout simplement, ça y ressemble, en tout cas, donc c'est un jeu RPG tout simplement. Où en gros ça consiste tout simplement à détruire la base ennemie, tout simplement. C'est aussi vrai que ça. On prend un personnage et le but c'est de détruire la base adverse, tout simplement pour gagner, hein, voilà. C'est aussi bête que ça. Donc voilà, donc on va tout simplement... donc évidemment, ce que j'ai pas dit c'est que c'est un free-to-play, mais le truc c'est que... vous voyez là on peut voir qu'il y a marqué Switch Server machin parce que bah du coup on peut choisir donc les serveurs. Donc tout ce qui peut être serveur européen, les trucs comme ça quoi. Donc voilà. Et ainsi de suite, donc voilà. Parce que oui du coup ça quand on paye en fait le truc du Nintendo, enfin le service Nintendo Switch Online, on peut jouer en ligne du coup sur Arena of Valor. Mais quand on joue pas en ligne forcément bah voilà après bon. Bref, enfin on va lancer une partie. D'ailleurs franchement ce jeu c'est une tuerie, je l'ai testé juste avant de commencer la vidéo, enfin j'ai testé un petit peu tout à l'heure cet après-midi quoi. Et franchement c'est vraiment une tuerie quoi. Donc voilà comment le menu se présente, tout simplement. Hein. Vous avez donc différents. Bon évidemment c'est en anglais hein, donc le jeu n'est pas en français. Donc vous avez un mode battle, donc c'est le mode battle tout simplement, le mode training, donc c'est un mode entraînement. Et puis après bah, les autres modes, je sais pas trop ce que c'est, genre Amori, bon je pense que c'est les... Voilà, tout ce qui est les personnages, les habilités, etc. Le mode Honor, où vous avez les rankings, donc je pense les levels, on va dire ça comme ça. Achievement, je sais pas trop ce que c'est, mais bon voilà, le profil évidemment. Donc ça c'est quand on veut voir son compte ou des trucs comme ça. Donc vous avez Mail, Backpack, Settings et Account évidemment, donc voilà, ça c'est les options un peu de base j'ai envie de dire. Et du coup voilà. Ensuite, social, bah, on a tout simplement le chat, friends et guild, donc je pense qu'on peut discuter peut-être vocalement avec ses amis en ligne, hein, peut-être, je sais pas. Et le guild, bah, c'est l'équipe hein, tout simplement qu'on forme. Et les events, voilà, c'est tout simplement tout ce qui est payant, tout ce qui est gratuit, les activités, tout ça, et le truc sur veille, je sais pas quoi. Enfin bref, donc moi, je vais tout simplement vous faire découvrir le mode bataille, donc c'est-à-dire le mode battle, tout simplement. Vous allez voir, franchement, ce jeu, c'est une putain de tuerie. Alors, on a un Ranked Match, un Standard Match, un Custom Match et un mode Arcade. Donc tout simplement, ce que je vais vous proposer pour l'instant, c'est tout simplement un match standard, donc un Standard Match, hein, tout simplement. Parce que bon, pour l'instant, je pense que les Ranked Match, j'ai pas encore le niveau. Les Custom Match, je ne sais pas encore, enfin, je ne sais pas vraiment pour l'instant qu'est-ce que c'est que les Custom Match. Peut-être c'est des matchs personnalisés, je ne sais pas, peut-être c'est ça. Et le mode arcade, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc voilà, et le Ranked Match, bah, tout simplement, j'ai pas encore le niveau puisque je suis encore débutant hein, sur ce jeu, qui est donc Arena of Valor. Donc, je vais tout simplement vous proposer donc un match standard. Alors, sur le battle, donc c'est-à-dire 1v1, vous avez différents modes de bataille, enfin, différents matchs en mode bataille, tout simplement, en mode battle. Vous avez donc Grand Battle, donc c'est-à-dire 5v5, soit 3v3 en Valès Kirmish, un truc comme ça. Bon, désolé, c'est en anglais, donc voilà. Vous avez 5v5 en Abyssal Clash et 1v1 en Solo Battle. Mais on va jouer un petit peu les barbares. Je dis ça comme ça parce que bon voilà. Donc du coup on va faire un 5v5 Grand Battle tout simplement. Donc en mode grande bataille vraiment. Vous allez voir ça va être un truc de fou ce mode. Ah attends peut-être si je fais start. Match found, ok. Par contre je peux pas choisir mon personnage. Parce que oui, normalement dans ce jeu, il y a la possibilité de choisir son héros aussi. Ah, bah voilà. Donc en gros, on a tout simplement tous les personnages. On a aussi ce qu'ils appellent les tanks. Donc ce qu'ils appellent plutôt les gros personnages donc, qui attaquent vraiment fort.
Et les Warriors, bah, c'est tout simplement les personnages en gros qui attaquent fort aussi, mais je pense en plus en rapidité. Et les assassins qui attaquent sans rapidité, enfin bon, après ça dépend des personnages. Mais bon, moi je préfère la catégorie tank tout simplement parce que c'est vraiment des personnages qui attaquent genre vraiment fort, mais vraiment mais puissant quoi, mais quelque chose de fou. Donc, moi tout à l'heure j'avais pris lui, j'avais pris Scud, parce que je l'aimais bien tout simplement. Donc c'est parti. Voilà. Bon, je pense qu'il est quand même assez puissant. Lui, je vous préviens, il envoie du lourd. Donc c'est parti, start. Ok, moi c'est bon, je suis prêt. Vous envoyez quand vous voulez les gars. Donc là la partie va commencer. Et donc là, voilà, 5v5, vous voyez. Donc nous, je crois qu'on est dans l'équipe bleue, je crois. Ouais, c'est ça. On est donc l'équipe des bleus contre l'équipe des rouges. Donc contre les autres en fait, hein, les 5 autres adversaires tout simplement. Hein. Mais je pense qu'on va pouvoir se les faire hein, tranquillement. Donc voilà. Il y a des fois c'est simple, des fois c'est pas simple. Mais vous allez voir que ce jeu c'est vraiment une tuerie quoi. S'il y en a qui jouent sur Switch, je vous le conseille tout simplement. Il est gratuit encore une fois. Hein. C'est un free to play hein, donc je vous le recommande. Et évidemment. Après il suffit d'avoir une bonne collection. Hein. Si vous n'avez pas une bonne collection, bah vous pourrez pas trop y jouer parce que si vous avez une mauvaise collection, vous êtes un peu dans la merde quoi. Moi ça va, j'ai une assez bonne collection, je suis en fibre donc voilà. Donc moi j'ai une assez bonne collection, ça encore ça va. Mais voilà quoi. Bon, c'est quand vous voulez les gars, hein, que vous envoyez la partie là parce que là, bah, c'est bon là, je suis à fond. Ah bah voilà. Allez les gars, c'est parti. Donc là on va suffit tout simplement d'aller détruire la base adverse, tout simplement. Sans se faire évidemment bah prendre hein. Attendez. Voilà, c'est bon. J'ai trouvé la touche pour taper. Et pour envoyer bah tout simplement les pouvoirs magiques, etc. Allez c'est parti. Allez viens là toi. Allez go. Et ça commence comme ça. Voilà. Ouais c'est pour ça que je prends des persos assez lourds parce que comme ça je tape bien fort. Voilà, boum. Allez boum, vas-y, boum. Ah par contre, ah je suis là, merde. Ah non, ça va pas le faire. Allez vite les gars, ok. Là j'attaque un peu des monstres, quelques monstres. Voilà, viens là toi. Voilà, boum. Allez viens là, viens. Voilà, poum. Voilà, t'es mort normalement, voilà. Là t'es mort. Allez toi viens là. L'avantage de prendre des personnages lourds aussi. Allez, boum, vas-y, viens là. Vas-y, viens là. Viens là, voilà, boum. Voilà, comme ça, je me fais pas trop tuer encore, ça va. Vas-y, boum. Vas-y, boum. Là, mon gars, t'as l'air un peu plus grand que moi, mais bon, je te tape assez. Enfin, je te mets bien quand même, hein, je dis pas. Vas-y, boum. Putain, y'a rien derrière moi. Voilà, l'autre, il est mort. Donc, du coup, vas-y, viens là, toi. Boum. Vas-y, boum. Vas-y, hop, c'est bon, je l'ai. Boum. Vas-y, arrête de fuir. Commence pas à fuir mon gars. Sinon ça va pas le faire, voilà. Ouais, comme ça j'ai buté un ennemi. Donc, alors est-ce qu'ils ont réussi à détruire une tour? Parce que c'est un petit peu le but aussi d'aller détruire les tours adverses. Ah là 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 là. Ah 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 ah. Évidemment. C'était logique. Là je suis en plein dans le truc de la tour. Donc forcément je me fais un peu tirer dessus. J'ai presque plus de vie. J'ai intérêt à... Parce que là c'est chaud quand même. Voilà, bah je suis mort, je suis déjà mort une fois. 12 secondes, oh putain, ouais d'accord. Là les gars, va falloir se dépêcher hein. Parce que là, sinon, allez. Sinon ils vont réussir à détruire notre base et ça c'est pas bon. Allez vas-y, c'est bon, allez go les gars. Vite. Allez vas-y. Ok, il y a un ennemi qui a été battu. Quand ils disent un ennemi has been defeated, ça veut dire qu'en gros il y a eu un ennemi qui a été tout simplement battu hein. Allez vite, allez les gars, allez. Allez, on défonce tout, vas-y, bim. Allez les gars. Voilà, parfait. Nickel les gars, nickel. Vas-y, occupez-vous de la tour, c'est parfait, voilà. Comme ça, moi, je vais pouvoir m'en occuper. Allez les gars. Voilà, poum. Voilà, la tour, elle a été détruite, ça c'est bon. Ok, ça c'est bon, parfait. Voilà. Hop, prends-toi ça dans la gueule, mon gars. Vas-y, viens, voilà. Ah mais là je suis en plein dans la tour encore une fois. Ok ça c'est bon. Ça c'est fait. Vas-y meurs.
Voilà. Voilà, parfait. Vas-y, occupez-vous la tour, les gars. Occupez-vous la tour. Occupez la tour, occupez la tour, occupez la tour, occupez la tour. Occupez la tour. Et ça peut occuper les tours. Vas-y, viens là, toi, par contre. Vas-y, boum. Voilà. Faut occuper un petit peu la tour aussi, les gars. Vas-y, viens là, toi, voilà. Parfait. Vas-y, viens là aussi. Vas-y, boum, boum. Vas-y, bam. Voilà. Comme ça, ça va un peu te calmer, mon gars. Voilà. Pam. Voilà, comme ça, t'es mort. Wow. Ok. Non, mais les gars, par contre, si vous occupez pas. Oh merde, j'ai eu. Ok, d'accord. Bon, allez, me tire dessus, je sais pas pourquoi, vas-y. Toi, je vais t'éclater vite fait. Voilà, voilà, bim. Voilà, bim. Voilà. Je vais essayer de les rappeler. Ça calme bien. Allez, les gars. Là, je fais un. Là, je fais un rappel. Allez, les gars. Là, les gars, faut venir. Hein. Là, faut y aller. Hein. Ça, par contre, il y a un timer, j'ai l'impression, non? Voilà, je sais pas. Vas-y, vite, les gars, vas-y. Vite, vite, vite. Là, les gars, faut y aller, hein. Sinon, ça va pas le faire. Ouais, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un timer, en vrai. Je sais pas, mais c'est quand même bizarre. Hein. Ok, parfait. Vous avez entendu, hein. Y a... Mais les gars, mais... Oh. Mais normal que vous vous fassiez tuer aussi, normal, attends. Bon, par contre, on va se calmer là. Vas-y, détruisez les tours, les gars. Pendant que je m'occupe un petit peu des autres ennemis. Voilà, parfait. Vas-y, les gars. Allez, voilà, voilà, merci, parfait. Parfait. Vas-y. Comme ça, moi, je vais pouvoir m'occuper de la tour. C'est parfait, c'est parfait. Voilà, vas-y. Vas-y. Ok. Vas-y, moi je vais essayer de détruire le truc principal. Ah mais non, mais oh, le truc qui me tire dessus. Et je suis mort encore une fois. C'est très très chaud quand on est parti comme ça, hein. je vous dis, mais bon. Mais normal en même temps, j'ai envie de dire aussi, les gars. Bon, ça va, pour l'instant on est en train de remporter la victoire pour l'instant. 19 à 3, donc on peut encore le faire. Allez. Là de toute façon, il n'y a plus qu'un seul objectif à les détruire. C'est simplement leur grande tour, hein, leur tour principal, j'ai envie de dire. Donc là, faut y aller, quoi. Franchement, je kiffe ce jeu, hein. Je sais pas vous, mais moi je kiffe ce jeu. Hein. Au départ, j'étais pas très très attaché par les jeux du genre League of Legends, etc., etc. Mais là, franchement, Arena of Valor, j'aime bien. Et viens là, toi. Bam. Vas-y, venez là. Et j'ai la putain de tour qui m'attaque. C'est... Oh là 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 là. Je suis en plein dedans en plus, donc forcément. Vas-y, c'est quoi? Vas-y, viens là. Vas-y, ok. Mais non, mais je vais crever. Ouh, j'ai eu chaud là par contre. Mais voilà, mais je suis encore mort. Putain, mais 20 secondes quoi, c'est un truc de malade. Oh là là, en plus je peux même pas accélérer, je peux rien faire. Je suis obligé d'attendre 20 secondes pour réapparaître quoi. C'est un truc de fou, les amis, c'est un truc de fou. Oh la vache. Voilà, 24-5, c'est parfait, on est en train de remporter la partie pour l'instant. Pour l'instant, on est bien en train de les mener. Vous en faites pas. Et moi, je vais me dépêcher pour me dépasser quand même. Histoire d'eux, hein. De toute façon, c'est la seule partie que je vous fais là pour l'instant parce que bon, ça a mal l'air de bien durer longtemps. Et voilà quoi, donc c'est vraiment l'histoire de vous faire découvrir un petit peu le jeu. Ok, ils sont les ennemis là. Ouh, les ennemis, vous êtes où? Vas-y, y'en a un là, vas-y, viens là. Vas-y, crevez tous là, les ennemis, hein. Et butez-les tous, vas-y. Ah, mais la tour. Voilà. Occupez les tours, les gars, occupez les tours, putain. C'est comme ça qu'on pourra gagner après. Vas-y, les gars. Vas-y, les gars, occupez les tours. Putain. C'est en train de me viser, cette merde, là. Non, je ne crèverai pas. Wesh, vous allez où, vous, là? Vous avez cru, hein? Allez, venez là. Voilà. Tiens, mange. Vas-y, mange. Allez, vas-y, viens là, toi. Vas-y, mange. Voilà, tiens. Arrête de fuir. Ça serait bien. Ah là là. Vas-y, viens. Venez là.
Voilà, alors attends, il y en avait un là, je crois. Non, bah c'est bon, je crois qu'il est mort. Ok, c'est bon, il est mort. Ok, parfait. 31-6, waouh, ah ouais, d'accord. Par contre, les gars, il va falloir s'occuper un petit peu des tours. Hein. Oh merde, d'accord. Viens là. Mais non, je suis en train de mourir. Bah voilà, bah je suis encore mort. Bah vas-y, forcément, vas-y. Heureusement qu'on peut, heureusement qu'après la, une fois qu'on est mort, qu'on peut revenir. Mais faut attendre 20 secondes, hein, par contre. C'est super long. Je suis désolé, mais là, il y a pas le choix, c'est comme ça. C'est Arena of Valor, tout simplement. C'est un petit peu comme ça, je pense, dans les RPG, hein, quand on meurt, bah forcément, faut attendre quelques secondes. Bon, ça va, pour l'instant, on est toujours en train de les mener, c'est parfait. 32-7, c'est parfait. 33-7 même. Allez. Allez, on peut y arriver. On peut y arriver. Quand on peut, on veut. Ou non, quand on veut, on peut. Voilà, tout simplement. C'est plus logique comme ça. Alors. Allez, c'est parti, les gars. Allez, là, on défonce tout. En plus, moi, j'ai pris un personnage bien lourd. Donc, normalement, il doit tout défoncer. Ouais, 34-7, c'est parfait, ça. Vas-y, venez là. Par contre, faudrait peut-être occuper un petit peu les tours, les gars. Hein. Viens là, toi. Bam. Vas-y, venez là. Allez, venez tous. Vas-y. Ok, parfait. Venez tous, c'est parfait. Il y a encore cette putain de tour qui me touche, là, vas-y. Non, mais voilà. C'est quoi, on va faire un peu les tugs, on va essayer d'y arriver comme ça, mais... Voilà, nickel, on a réussi à détruire l'élevotif. Voilà, c'est ce qu'il fallait faire. Et voilà. Ça, c'est fait. Ah, en plus, c'est même pas moi qui l'a détruit, c'est un de mes coéquipiers, donc merci à lui. Voilà, c'est parfait, c'est nickel. Voilà, en fait, le but, c'est vraiment de détruire l'espèce de grosse base, là, de grosse tourelle, afin de gagner la partie. C'est vraiment ça, le truc, quoi. Ça, c'est le truc épique, quoi, mais vraiment. Voilà, comme ça, on gagne des points d'XP, c'est parfait. Talent execute. Ok, donc, d'accord. Ah, level 3, ok, donc j'augmente de level, et on augmente un petit peu de XP, hein, tout simplement, aussi, hein. Oh, mais c'était chaud quand même. Je suis mort au moins 4-5 fois, facile. Mais voilà, on a quand même gagné. Regardez-moi cette victoire bien écrasante, genre 37-7. Je suis sûr là, les ennemis se sont dit, putain, on est dans la merde. Bah ouais, bah c'est comme ça, hein. Dans Arena of Valor, simplement. Hein. Mais c'était ouf quand même, cette partie-là. J'avoue qu'il y avait quand même des persos assez forts, genre par exemple, je crois, Zuto ou un truc comme ça. Meloman, ouais, pourquoi pas. Ah non, en fait, c'est les noms des joueurs, d'accord. Ok, alors, what the fuck, parce que dans notre équipe, il y a un mec, carrément, il s'appelait Hitler. Ok, what the fuck, pourquoi pas, hein. Mais bon, après, je dis pas, dans l'équipe adverse, il y a bien un mec qui s'appelait Meloman. Donc, bon, voilà, un autre mec qui s'appelait Churros. Voilà, pourquoi pas. Lokisama, Zuto, je sais pas quoi, enfin bon, bref. Voilà, pourquoi pas. Bon, bah, moi, j'ai pris... Moi, le pseudo que j'ai pris, c'est Rockerman. Bon, bah, voilà, tout simplement. Mais là, il y en a, ils ont des pseudos, c'est what the fuck, quoi. Enfin, bon, voilà. Donc, voilà, donc, c'était le mode battle de Arena of Valor. Donc, après, bon, on a... comme je vous disais au début de vidéo, bon, on a un mode training et tout un tas de trucs par rapport... Je pense qu'on peut modifier les personnages, qu'on peut augmenter, genre, les capacités du personnage. Enfin, tout un tas de choses comme ça. Enfin, voilà, quoi. Donc, bah, c'était mon test, hein, pour vous, en tout cas, sur Arena of Valor. Donc, vous voyez, hein, c'est le même principe que les Golf Legends. Et je dirais un petit peu Warcraft aussi, j'ai envie de dire. Tout simplement, hein, c'est le même principe. Hein, tout simplement, qu'il faut détruire le camp adverse. Enfin, qu'il faut en gros détruire la grosse tourelle adverse pour pouvoir gagner, hein, pour pouvoir en gros mettre fin à la partie. Donc, franchement, moi je kiffe ce genre de jeu. Hein, donc, si vous voulez, moi je veux bien peut-être un jour, un de ces quatre, vous le faire carrément en live. Ça pourrait être une idée, hein, franchement, ça pourrait être une idée. Donc de vous le faire carrément en live, comme ça je vous passerai, donc pour ceux qui jouent sur Switch, je vous passerai donc mon code ami Switch. Donc voilà, ou sinon je le mettrai carrément dans la description de cette vidéo. Donc enfin voilà, quoi, c'était... moi je kiffe ce genre de jeu, c'est vrai que j'ai pas eu l'honneur, enfin j'ai pas eu l'occasion en tout cas de tester ce même style de jeu, que ce soit League of Legends ou Warcraft ou même ce jeu là qui est Arena of Valor, ou même Diablo, hein, tout simplement. Mais Diablo en tout cas viendra aussi sur Switch. Ça sera Diablo 3, donc pareil, j'aurai l'occasion de vous le tester aussi sur la chaîne. Donc je pense que ça sera à peu près la même chose aussi que Arena of Valor, hein, tout simplement. Enfin voilà, quoi. Donc, bah écoutez les gens, je vais vous laisser là.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis bah n'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager et commenter. Je vous quitte avec cette belle musique hein, du jeu. Hein. Et donc évidemment, n'hésitez pas aussi de vous abonner à ma chaîne principale, puisque bon bah maintenant tout va mieux. Non, voilà, j'ai envie de dire, YouTube ils m'ont aidé heureusement à récupérer la totalité de mes abonnés, donc j'ai envie de dire tant mieux. Enfin voilà quoi, donc je vous dis bah encore une fois likez, partagez, commentez, n'oubliez pas de vous abonner. Et nous bah, on se retrouve tout simplement la prochaine fois pour de nouvelles vidéos à venir. Allez sur ce, ciao, à la prochaine.